quoi. Pendu. Allez, c'est parti, petite session au Black Bass. Ils ont fini de frayer depuis longtemps chez nous. Donc voilà, je vais essayer d'en faire quelques-uns. Un étang privé où il n'y a que des gros, de toute façon la reproduction est nulle dessus. Et c'est parti. Là, je vais commencer avec du leurre souple. Faut les faire à vue, clairement. Donc là, je gratte un peu manière d'eux. Mais les poissons que je sais que j'ai, si je fais du poisson, il y a de grandes, grandes chances que ce soit à vue. C'est pas très efficace de pêcher le vide sur cet étang, on le sait, donc on va vraiment chercher des poissons à vue. Hop, allez, je vais passer sur la bordure un peu quand même, voir si on voit pas un ou deux qui se baladent, et après sinon moi j'irai directement là où ils sont. En tout cas, il y a plein de perchettes. Ça, c'est évident. Elles sont complètement débiles, ces perchettes. Elles suivent même les gros, tous les leurs. Elles suivent à tout et n'importe quoi. J'adopte une stratégie qui est assez intéressante quand on pêche le bass. En tout cas, nous ici, c'est de faire des lancers où on ramène très vite, en surface presque, même si on est plombé. Parfois, ça fait monter des poissons. Et dès qu'on voit qu'il y a un poisson qui suit, tac, on pose le leurre au fond. Et 9 fois sur 10, il prend dès qu'on pose le leurre au fond. Oh, basse. Là, basse devant moi. Il fonce dessus. Pendu. Je l'avais dit. Quand on le voit, il prend. C'est pas du petit bass ici. La moyenne, elle est entre 40 et 50. Il n'y a pas de reproduction, donc il n'y a que des gros. Eh ben, ils se laissent pas faire. Ils sont vénères. Je suis en 16 centièmes, donc je vais pas faire trop le malin non plus. Voilà, sur la baïa, c'est un vrai régal. En 3-15 grammes. Hop là, décroché. C'était sûr, j'avais pas la canne vers le bas. Bon, c'est pas grave. C'est un poisson. On peut considérer qu'il est fait. J'ai attrapé le fil à la main. C'est bon. J'ai la tête plombée qui s'est plantée dans le sac derrière. C'est bon. Voilà, sur une petite tête plombée 4 grammes. Au suivant. Oh, loupé. Pas mal de carpes et tout, donc je vais peut-être louper une carpe, mais je vais peut-être taper dedans, mais ça m'étonnerait. Je vois un fish là, j'ai aucune idée si c'est un bass ou pas. C'est peut-être un bass. C'est très peut-être un bass. Il fonce dessus, je laisse descendre.
C'était un bass, mais avec la profondeur, il n'est pas descendu jusqu'au fond. Il est devant moi. Oh, il a pas bougé. C'est peut-être celui que j'ai piqué. Je vais passer juste devant. Ah, il a pas bougé. Après, c'est peut-être le bass que j'ai décroché, hein. C'est possible. Viens au bord. Il vient. Oh, il a pas pris. Il est là. Même pas retourner sur le leurre. Là, passe devant. Il est descendu dessus direct. Le bass, 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 big, big, big bass. Big bass. Oh, tendu. Il est fat. Il y en a deux, il y en a un deuxième. Viens vite. Il y en a un deuxième avec. Lance à côté, il y a le deuxième. Oh, il est fat. Putain qu'il est fat. Hein? Je crois pas. Il était pas loin le deuxième. Putain, il est fat. Oh oui, il y a un bloc là. Oh, c'est pas grave ça. Oui, il y a un sacré bloc là.
dit des fats. Tu me fais une photo sur. Oui, des fats. Non, avec mon téléphone il est meilleur qu'avec. Tiens. Faut que je sois leur soupe. Tu as fait où là derrière le compteur? Là, là, droit. J'en ai vu un, mais c'est pas celui-là qui a tapé. Ouais. C'est belle les photos. Voilà les gens. Il fait combien lui? Il pas être loin hein. Derrière où? Au LB. Ouais. Allez. Il a fait une petite chandelle. Il n'en fait pas une chandelle. Oh, peut-être pas 50 mais bien 45 quoi. Ah, je vois, je il en reste un leur souple. Ouais mais gros kétek. Le gros kétek? T'as pris un gros kétek? Tu sais des vibros là, les frettes. Là-bas, basse, basse, basse. Viens, viens, viens. Ils font sur mon leurre. Dépêche alors. T'as intérêt à te grouiller. Il est descendu là, du coup. Regarde la carpe. Oh, celle-là, elle fait presque 20 kilos. Une toute blanche, 20 kilos. C'est remous que ça te fait là-dessous. Il y a des trucs là. Là, il y a du fichier. Ouais. Tu peux le faire. Il est descendu. Il était là, il est descendu. Tu cherches par là, au fond, là, tu gratouilles. Bon, je continue par contre. Hein. Bouge pas trop sur le ponton, ça fait vachement de bruit. Là, il est là. Tu le vois en surface? Il descend. Il regarde forcément de près là. Terminé. Bon, en tout cas, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas, le petit like, le petit partage, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.